Dans le prochain épisode de « Demain nous appartient », alors que Lisa se replonge dans son passé, Jack et Ryan se révèlent complices. Benjamin a un frisson. Jeudi 16 mars dans « Demain nous appartient », Lisa retourne à son passé au commissariat. Lisa se confie à Martin sur le meurtre de ses parents. Une histoire qui a défrayé la chronique. Le meurtrier, surnommé « le monstre d'Argenteuil », avait déposé le corps du couple Hassan sur le canapé. Leur visage était très proche, comme s'il allait s'embrasser. Cependant, Martin voudrait éviter de tirer des conclusions hâtives. D'autant qu'il existe des différences entre les deux cas puisque, contrairement aux chassagnes, les Hassan sont morts d'une balle dans la tête. Cependant, Lisa sait très bien qu'un tueur peut changer son mode opératoire. L'assassin ayant placé un doudou près du corps des chassagnes, comme cela avait été le cas pour ses parents, Lisa est persuadée que celui qu'il recherche n'est autre que le monstre d'Argenteuil. Avant de se mettre au travail, Lisa le prévient cependant que sa petite sœur n'est pas au courant de cette histoire et l'exhorte à garder le secret pour la protéger. Sans attendre, Lisa reprend les premiers rapports sur le meurtre des chassagnes avec le commandant Constant. D'après les fadettes, Corinne a envoyé un texto à son mari à 17h09. Un fait qui a été confirmé par le patron de Serge, puisque ce dernier a demandé à partir plus tôt dans la journée. Serge est donc rentré chez lui vers 17h30. De côté, Corinne ne s'est pas présentée à rendez-vous avec avocat et ne répondait plus à ses appels téléphoniques. Tout comme Marie. Parallèlement, Georges reçoit le dossier d'Argenteuil et informe ses collègues. Entre 2008 et 2012, il y a eu 3 meurtres non résolus dans et autour d'Argenteuil. Plus particulièrement double homicide sur des couples avec enfants, dont celui parent de Lisa. Selon le rapport de profilage de l'époque, le meurtrier était un jeune homme d'une vingtaine d'années ayant subi un traumatisme durant son enfance qui l'aurait conduit à cibler des couples en conflit. Désormais, les enquêteurs sont certains que le monstre d'Argenteuil a bien recommencé à tuer. Dans l'après-midi, Martin somme Lisa de rester à l'écart de l'enquête. En colère, ce dernier le supplie de ne pas le faire. Malheureusement, la décision du commandant Constant est prise. Cependant, il promet de la tenir informée des progrès. Martin rencontre alors Raphaël pour lui annoncer que son bureau a été cambriolé par un amateur. Selon lui, le cambriolage n'a rien à voir avec l'affaire Chassagne. De plus, il en profite pour lui dire que la fille Chassagne sera prise en charge par l'AS puis qu'elle ira vivre chez sa tante. De retour au commissariat, Martin apprend que le coroner vient de terminer son rapport sur les Chassagnes. En d'autres termes, c'est une arme à bétail qui envoie une balle d'acier au creux du cerveau. Plus tard, Victoire s'aperçoit que son cousin ne va pas bien. Les larmes aux yeux, Lisa lui raconte toute l'histoire. Victoire, qui ignorait les véritables circonstances, la mort de son oncle et sa tante, rassure Lisa en disant qu'elle a fait le nécessaire pour protéger Amel. Peu de temps après, la jeune femme lui dit qu'elle a maintenant une chance d'arrêter le tueur. Le soir, Bar arrive chez Sarah et Roxane. Inquiet, il propose d'emménager avec eux le temps que cette affaire se calme. Une offre que Roxane accepte aussitôt pour se rassurer. Parallèlement, Victoire aide Lisa à mettre les dossiers de l'affaire, Monstre d'Argenteuil, dans le coffre de sa voiture. Au loin, quelqu'un les observe. Jack et Ryan, sa complice Audrey et Damien, sont partis en vacances romantiques à Marrakech. En leur absence, la fratrie Roussel en profite pour se la couler douce et l'appartement est sens dessus-dessous. Jack, dont la vue s'améliore, finit de ranger l'appartement lorsqu'il reçoit la visite de Ryan. En effet, les deux adolescents ont prévu de réviser
en allant chercher quelque chose à manger dans le frigo. Ryan se rend compte qu'il y a de l'eau partout car le congélateur est cassé. Alors que les adolescents commencent à nettoyer, la situation dégénère rapidement en une bataille d'eau. Jack, Jordan et Lizzie décident alors d'attendre que Damien soit à la maison pour réparer le congélateur. Pour éviter que les plats préparés par leur mère finissent à la poubelle, ils choisissent de les distribuer aux voisins. Comme il en reste encore beaucoup, Jordan invite Judith à dîner et Jack propose à Ryan de rester. L'ambiance est à la bonne humeur chez les Roussel, à tel point que Jordan et Lizzie trouvent que le courant passe plutôt bien entre leurs frères et Ryan. D'ailleurs, on dit même qu'il est fait pour durer. Benjamin coupe un froid. Alma et Benjamin se sont fixés pour objectif d'emballer au moins 5 cartons par jour jusqu'à leur déménagement. Cependant, Alma a une autre idée en tête et tente de séduire son compagnon. Ensuite, le couple se remet au travail. En voyant la boîte contenant les affaires d'Adrien quand il était bébé, Alma est nostalgique. Benjamin l'interroge donc sur son désir d'avoir un autre enfant. Six médecins s'interrogent sur le sujet. Ce n'est pas vraiment cas d'Alma. Une discussion qui jette immédiatement un frisson. Peu de temps après, Alma rejoint Victoire au Spoon et lui raconte la discussion qu'elle vient d'avoir avec Benjamin. Victoire lui avoue alors que c'est la raison pour laquelle ils se sont séparés. De son côté, Alma ne sait pas si elle veut un autre enfant. D'autant plus qu'Adrien est grand et que ça lui va bien comme ça. Dans l'après-midi, Alma reçoit la visite de Jordan venu lui apporter son repas d'adieu. L'occasion pour Alma de lui dire à quel point il va lui manquer.